une bonne première mi-temps. Dommage, c'est qu'on ne puisse pas marquer ce deuxième but, enfin, ou premier but, on va dire, sur le face-à-face. Et ensuite, sur les deux occasions dans cette première mi-temps. Et puis ensuite, cette deuxième mi-temps où on recule, on doute, parce qu'on sait qu'on a des occasions, on manque d'efficacité. On a manqué de tuer le match en première mi-temps. Et de se mettre en sécurité pour un match retour, enfin, au lieu de ça. Et sur le terrain, est-ce que les joueuses t'ont impressionné dans un domaine particulier ou tu n'as pas été surprise de leur jeu en fait ? Non, on s'attendait à un combat physique, ce qu'on a eu. Un bon milieu techniquement et ballon profondeur, déviation, c'est ce qu'on attendait. Maintenant, Redbord n'est pas ici par hasard, donc il faudra se méfier d'elle. Ça ne va pas être trop serré quand même pour le match retour en fait ? Quel est ton sentiment ? Alors, la pression est sur elle, pas sur nous. Nous, ouais. On gagne à zéro, il ne faut pas l'oublier, ça. On gagne à zéro. On peut être optimiste. Et on sait là-bas, maintenant, elles ont... Nous, si on marque un but, voilà, c'est ça. C'est toujours être premier, partir avec un avantage, c'est toujours mieux. Maintenant, le match retour restera le match retour. Sur un match, c'est un potentiel incroyable pour Juvisy, c'est éventuellement opter pour une demi-finale, ce serait une grande première. L'objectif c'était ça, on a goûté au quart de finale avec Poznań, je pense que Poznań était au-dessus de nous, je n'avais pas le même effectif, du moins j'avais un effectif de qualité mais réduit, et c'est un de nos objectifs, être dans le dernier carré c'est quand même quelque chose de fantastique, donc les filles sont au courant, elles le savent. Sur un CB de joueuse, ça fait toujours bien. Voilà. Ici, c'est un franco-français. A priori. Le résultat, ça finit combien ? 5-5. 4-0. 5, ouais. Arsenal 3-1. Donc, elle nous dit être. Ça, c'est bien pour la France.